That's cool, that's cool. I like it. Tu es le seul gars, j'ai pas parlé aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais, on dirait que. C'est pas grave, non, il est fâché. Hey, Mazlum, tu sais que j'étais pas supposé d'aller à ton combat, mais ce gars-là, pour différentes raisons, enfin, tu serais pas ici. Mais plus ça approchait, plus j'étais. Non, je peux pas y aller. Ben clair. Oui, t'étais là depuis le début de ma carrière, mais même amateur. Non, c'est pas le temps de manquer ça. Fait que je vais être là. Ta préparation semble être maximale. On a ouais. Vu tantôt. Mm-hmm. T'es toujours assez très en forme, mais là, quand même, comme vous pouvez tout le constater, il y a à part la transpiration, il n'y a pas beaucoup de gras. Ouais. Écoute, ton adversaire va tout donner, ça c'est sûr. Mm-hmm. Pour lui, c'est. Ça passe sous sa casse. Ouais. Fait que toi, il faut quand même. Comment tu vois ça? Comment tu vois ce combat-là? T'en as déjà parlé, mais tu m'en as pas parlé à moi. Ça va être un très bon combat. C'est sûr, ça va être un combat explosif. Je suis un boxeur agressif, c'est un boxeur agressif, right? Alors, c'est ça, c'est. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est ça a des feux d'artifice. Mais honnêtement, je vais faire un statement de ce combat. C'est sûr que je suis jeune, je veux montrer que, genre, toutes mes habiletés. Je fais des beaux trucs en sparring, je veux les amener en combat, puis je veux montrer que je suis pas juste un boxeur local. Je suis un boxeur international, puis le 7 octobre, ben, ça va être ma chance de le démontrer. Ben, c'est bon que tu précises, parce qu'on a tendance, un peu, à se vu un petit peu partout, que à quel point ce combat-là est important pour Sébastien Bouchard, dernière chance, toutes sortes d'explications. On parle pas tellement de l'importance pour toi, mais c'est un combat aussi important pour toi. Non, c'est sûr, c'est un combat important pour moi, car c'est ça, dans le fond, on vise le top 15 mondial, alors si ça nous permet d'aller chercher ça, ben, on va être vraiment content. Et c'est ça, dans le fond, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont regarder, alors c'est sûr, c'est un combat important ici, pour ouais, moi. C'est ça, aussi important, ouais. Alors, c'est ça, c'est toujours ma fiche invaincue qui est en jeu, alors c'est pour ça que ça, c'est un autre plus aussi. Un pression de plus, mais moi, je me fais jamais cette pression-là, parce que comme je me fais confiance sur ce que j'embarque dans le ring, mais. Ouais, c'est un combat important. Chaque combat est important. Je me battrai demain contre n'importe qui. Je me prépare à 100% puis je laisse jamais. Je respecte trop mon sport pour pouvoir laisser tomber ça. En fait, plus ça avance dans ta carrière, plus chaque combat devient de plus en plus important. En fait. Mm-hmm. 100%, 100%, c'est encore là, c'est toujours ma fiche qui est en jeu et dans le fond, je vise quand même grand. C'est sûr que mon objectif, ça serait de prendre ma retraite avec une fiche invécue. Mais écoute, à la boxe professionnelle, c'est toujours un gamble. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu peux manger une mauvaise shot, quelque chose peut se passer pas comme prévu. Alors, c'est pas la fin du monde, parce que dans le fond, ça arrive à tout le monde, mais... En tout cas, pour les amateurs de boxe du Québec, j'espère surtout qu'il te reste beaucoup de combats dans le compteur encore. Alors, que toi, on peut compter tout le monde sur le ring pendant plusieurs années. Ouais. Je suis jeune, c'est sûr que je veux amener des bons combats, des combats locaux puis tout. Puis je veux qu'on remplisse des arénas puis tout. Alors, c'est sûr que je vais être encore là. Puis le monde s'attend que Maz boxe. Alors, on va essayer de me faire boxer puis tout. Puis on va être là. Alors, Maz, boxe. Yes, c'est pas le choix. Merci beaucoup.